Moi, je vais vous présenter le distributeur automatique de billets sur iPad. Il sort, entre autres, des 20 euros, des 50 euros. Hein? Alors voilà, ça c'était la publicité. Et cet iPad sort donc des billets chez vous. Vous le téléchargez. Par contre, il ne sort pas le billet de 10 euros. Et il faut une carte bleue, valide, et surtout pas volée. Et la mienne est une carte bleue volante. Regardez ça. C'est bizarre quand même. Enfin bon. Elle est volante, mais pas volée. Alors donc, on la met dans le distributeur là et automatiquement on bam la sortie des billets, 20 euros par exemple, on met 20, on en met pour 1, on met le code et on appuie sur entrée ici, entrée, et le billet de 20 euros sort normalement. Et donc, un billet de 20 euros. Alors, pour, je vous signale qu'il ne sort toujours pas les 10. Hein. Par contre, il sort les 50. Alors, pour sortir un 50, il faut déjà remettre la carte, mettre 50 ici. On en veut un, on met le code, on appuie sur entrée et le billet de 50 théoriquement doit sortir. Et oui, ça fonctionne, donc c'est opérationnel. Alors, vous voyez, c'est le billet recto verso, bien sûr, hein, c'est moi qui, quand ils sortent de là-dedans, sont à peine secs. Hein. Ils sont à peine secs. Alors, il faut faire attention de ne pas trop les frotter. Alors, par contre, supposons que vous n'ayez pas de carte bleue. Alors, là, il est possible de le faire fonctionner manuellement. Alors, manuellement, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut faire un code très, très compliqué. Hein, je vais le faire, mais je ne vous montre pas quand même. Hein. Alors là, je vais le faire. Alors là, attention, oh là là, il y a une quinzaine de chiffres et de lettres. Il n'y a pas de lettres, que des chiffres. Et à ce moment-là, on tire le billet manuellement. Vous voyez, alors là, ça va moins vite, hein, parce que là, il est le temps de l'imprimerie. Hein. Voilà. Alors là, c'est le retrait de billets manuel, comme dans le temps. Alors voilà. C'était le distributeur de billets de Pijac qui n'arrête pas d'améliorer ses tours de magie. Un de ses jours. Au revoir.